Bonjour la VOD. On est sur Transcend Liberty. Attendez, je prends quel serveur? On prend quel serveur? Ils sont verts. Ah, c'est qu'il y a des nouveaux serveurs. On prend lequel? Parce que du coup, il faut qu'on soit tous dans le même. Pour celles et ceux qui veulent agrandir. Ok. On va pas prendre le 42, tout le monde va être dedans. Moi je dis 47 parce que c'est le dernier de la liste. Non, 42 c'est milieu. Milieu c'est pas con. 46. Allez, 46. Europe de l'Ouest. Mais y a pas de l'Ouest, y a que centrale. Allez, je dis c'est avoir 46. Ils sont tous en vert. Du coup, voilà, je viens enfin de réussir à me connecter. On est sur un MMO, une bêta de MMO. Transcend Liberty. Alors, ça lagouille un petit peu au niveau de... Va falloir que je baisse un petit peu les graphismes, je pense. Du coup, mon overlay, il lag de fou aussi. Donc, serveur 46. Ouais, elle était bien arrêtée, la VOD. Vous pouvez lui redire bonjour si vous voulez à la VOD. On a enfin réussi à se connecter. Je parle en même temps que l'histoire, pardon. Ouais, mais je sais pas de qui il parle, là. J'apprendrai le lore plus tard, de toute façon, c'est un MMO. 46, ouais, 46. Ça me semblait bien. C'était un milieu. Ça a l'air joli, ça me saoule un peu. Je peux pas changer les graphismes. Merde, j'ai fait... Ah. Là, c'est plus fluide. Parce que du coup, une cinématique toute laggy, c'était pas très intéressant. Je mets un peu plus de musique. Ah, je suis contente! C'est nous, sage Paris. Une Yennefer, évidemment. C'est mon perso dans Diablo. Monte le son, ok. Coucou Faircro. Faut que j'active le DLSS. Ok, je ferai ça dès que je peux. Fermez la porte! Ah, on a pris son pouvoir! Ok, ça va nous rendre trop unique, comme tous les millions d'autres joueurs qui vont jouer. Ça y est! Ok, on va pouvoir choisir nos... J'ai eu dans un clip de Blackpink, j'avoue. Notre perso va prendre évidemment la plus belle. Ça a marché, ben bon dodo. Bonjour à VOD, c'était long, ça fait 2 semaines que j'ai pas vu mes gosses. N'oubliez pas, c'est avoir 46. Hein. Alors, attendez, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi à gérer. L'apparence. Mais elle est déjà trop belle, je trouve. Hein. Oh, on va pouvoir choisir des millions de trucs. Oh, me le trop shoot. Oh, me le trop shoot. Oh, me le trop pupu. Elles sont trop belles, évidemment, comme toujours. Je pense que je vais prendre un visage déjà préfait. Oh, j'aime bien ce côté un petit peu moins parfait. Et encore, hein, elles sont toutes parfaites, en fait. Allez, je vais prendre ce visage-là. Juste telle quelle, parce que juste trop belle. Ensuite, les yeux. Ah, ça, j'aime bien avoir des yeux un peu chelous. Pas des yeux de chat. La couleur. Ah, on peut choisir plusieurs iris. Individuellement ou des deux côtés. Je vais faire les deux mêmes, je pense. Coucou. Coucou, c'est qui? Après, on peut choisir l'intensité de la couleur. Ah oui, d'accord, on peut choisir partout, en fait. Et ben moi, j'aime bien les yeux jaunes. Je trouve que c'est un peu super stylé.
Enfin, mais tout est stylé en fait. Peu importe les yeux que je ferai, ça sera stylé. Rouge aussi, mais rouge ça fait Dark Sasuke, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui c'est stylé quand même, on est d'accord aussi. 4 heures de personnalisation, non, je vais essayer de me dépêcher un peu. Bon, en vrai. Ça fait Twilight rouge. J'ai pas regardé. Ça, ça fait Yennefer. Un bleu foncé, bah c'est classe après. Yeux verts, des yeux verts surnaturels un peu. Ça fait Fallout. Et jeu jaune, ça fait Sith. C'est bien, hein? Un peu jaune doré. Un peu comme ça, là. Un peu... ouais, c'est ça, doré. Iris doré, finalement. Ça fait crise de foif. Rouge, ça fait Lox. C'est joli, là. Allez, vas-y. Allez, c'est comme ça. Un peu ambré, j'aime bien. Ouais, c'est ça, un peu ambré. Allez, peut-être un chouille de... Oh non, j'aurais pas dû... Ah, on peut pas tant... Ah, les deux, c'est beau, en fait. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Mestriki. Ok, on va laisser comme ça. Là, ça me semble être un entre-deux assez intéressant. On est sur un truc. Tu devais pas stream, je sais. Écoutez, il y a plein de choses qui devaient se passer, hein. On devait changer de gouvernement, finalement, ça s'est pas fait. Bon, bah, j'ai envie de dire que je suis dans la tonalité du moment. Moi aussi, je tiens pas mes promesses. On s'en fout, on voit pas les sourcils, de toute façon. Le petit nose. Oh, mais le premier était bien. Oh mince, je sais plus lequel elle avait. Oh, elle est trop belle, elle est trop parfaite. La bouche, mais je la trouve parfaite aussi. C'est quoi ça? Les oreilles. Je peux faire d'elfe? Histoire d'avoir mon côté chiant qui ressort. Attendez, les veuches. Si je mets les veuches courts. Oh, mais elle est trop belle! Avant, c'est quoi? Maquillage. Bah, je vais attacher les cheveux pour le make-up, c'est bien. J'aime bien les peintures de guerre. Comme ça, ça lui va super bien en vrai. Hein. Ça aussi, mais c'est de la triche. Parce qu'elle est déjà parfaite, donc tout lui va bien. Je peux faire un eyeliner, voilà, un peu comme ça là. Oh, c'est bien ça. J'aime bien. Parfait. Farapops. Un petit farapop. Comme ça qu'on dit dans le milieu. On le voit au moins, on voit pas des masses. Ouais, m'en fous un peu. Ah, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a pas d'opacité. C'est juste pour voir si je vois en fait le fard à paupières. J'ai pas l'impression de le voir. Ah non, non, c'est vrai qu'on n'a pas choisi de race de quel que ce soit, ni de classe, mais la classe c'est peut-être après, mais au début on n'a pas choisi de race, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, je vais essayer comme ça, c'est bien. Le fait que ce soit bleu, ça me fume. Eh, la musique, tu te calmes un peu, hein. Tu te détends. Oh là là. Bon, tout est magnifique comme d'hab aussi. Mais je vais pas choisir des cheveux trop lâchés, parce que dans les animations, ça va vite être dégueu avec les costumes et tout. J'aime bien les cheveux un peu attachés comme ça. Généralement, au niveau animation, c'est moins bizarre. Ou voilà, ou les cheveux comme ça. Que les cheveux très très longs, ils rentrent à moitié dans les boobs en général, c'est pas... pas fou. J'aime bien ça, les guerrières. Truc comme ça là. Je peux choisir la couleur. Ah, ça peut être bien ça. Ouais, mais ça fait trop. Il faut un truc un peu guerrière quand même.
Bof. Je fais un peu comme ça, ça fait vraiment un truc, je trouve. Ça c'est joli, mais voilà, ça juste. Moi je suis sur soit la première coupe, soit celle-là. Encore une fois, pour le côté guerrière, c'est important. Chauffe, ça passe, bof, on s'ennuie quoi. Je veux dire, bon. Fais-nous une Lagerta. Je pensais pas faire un perso particulier qui existe, je pensais juste en faire une stylée quoi. Ah, mais voilà. Il y a aussi ici d'autres trucs. Enfin, des types de coiffures. Du bleu très foncé, j'aime bien cette idée. Ça me plaît beaucoup. Putain, ça va, mine. Attendez. J'avais choisi quoi? J'ai soit celle-là, soit... celle-là. Je préfère quoi? La Guerta, non, enfin je veux mon perso, je veux pas un perso qui existe déjà. Bref, l'autre. Ok. Bref, l'autre coupe, ok. Ah, je trouvais que ça faisait plus sorcière que guerrière. Mais j'aime bien aussi. Avec ce bleu et ce jaune, j'aime bien. C'est ma coupe en ce moment. Ah ouais? Trop stylé. Ouais, j'aimais bien un peu rasé sur le côté aussi. On pourra changer, j'imagine. Sans natte. Ah oui, d'accord. Oui, bah sans natte, c'est cheveux comme ça, quoi. Oui. Je viens de te traiter de sorcière. Bah, ça fait Yennefer, quoi. Alors que la coupe d'avant, ça fait guerrière un peu viking. Effectivement. Ah, t'avais celle-là où il y avait... J'ai oublié déjà. On avait celle-là. Mais bon, les deux, moi, ça me va. Hein. Les deux, ça me va. Taille. On va la faire un peu élancée. Mais pas trop. Et un peu grande. Attends. J'aime pas quand c'est dans un truc comme ça. Péchette. Ok, apparence. Ah. C'est que l'apparence, ça? C'est pas la classe? Ça fait très... je choisis ma classe, quand même. Alors, je trouve que c'est celle-là qui lui va le mieux. En plus, il y a un truc qui brille à la ceinture, j'aime beaucoup. Ok. Pré-réglage de création. Apparence aléatoire. J'ai dû tester apparence aléatoire. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ah, on peut choisir différents éclairages. Ah ouais! La Sims quoi! Quel enfer! Oh, par contre, j'aime bien quand elle est vénère! Zabazouda! Perso, je vais faire du Alipa! Et bah, let's go! Bah, c'est bon, je peux commencer. J'ai pas mis mon pseudo moi. Non, c'est pas là-haut. Ok, c'est vraiment parti cette fois. Je me cache, tiens. Après le tuto, ok. Oh, elle est trop belle. Oh, mieux, elle est trop belle. Oh, je joue. Ok. Attendez. Ah ! Mauvaise cam. Attends, appuyez sur E pour attaquer. Et après, elle attaque automatiquement. Ok. Ok, ok.
Ah, de base il est en AZERTY le jeu, mais merci beaucoup d'être intelligent le jeu, putain ça fait trop plaisir ça. Faire pivoter la caméra en déplaçant comme ça, ouais ça va. Oh, on peut voir en vue FPS. Faut que j'esquive. Attendez, j'ai trop baissé le son du jeu. Compétences défensives. D'accord. Après je m'arrave. J'ai trop zoomé. Je me disais mais je vois rien, c'est chiant. Ah. J'ai essayé de parer. Attendez, je vais essayer de reparer. Je pars vraiment giga trop tôt quoi. L'arbitre. Non, l'arbitre il va me péter la gueule. J'ai paré là. Là j'ai paré non. Je suis pas sûre en fait. Ah, il reprend sa vie très vite. Mais attends, je crois que j'ai des petites compétences à distance. Ah non, je suis trop loin. Fuck. J'ai paré là. Je sais pas en fait. J'arrive pas à bien voir si j'ai paré ou pas. J'ai eu trop l'impression, mais en fait je sais pas. Il est beau, oui. Oublie pas le DLSS. Alors oui, tu m'avais dit de faire ça. C'est où les compétences, pas du tout le paramètre. Peut-être après le tuto. Boutique, objet. Paramètres. Alors, graphisme du coup, DLSS, je mets équilibré, performance, équilibré. Ça fait très Terra l'animation. Ah oui, équilibré, ouais, tu m'avais déjà dit. Bon, on va dire que c'est bon. Ok, merci. Là, ça, effectivement, ça a l'air fluide, là. Attends, je suis pas prête. Mais je suis pas prête. Oh, le bâtard, mais il m'arrave. Comment je fais? Ça. Ok. J'ai terminé le tuto. Ouais, il y a un coup spécial. Alors, le problème, c'est qu'il est super mal placé. Ça, faudra rewind. Sur le 7 que j'ai dû faire ça, trop chiant. Mais oui, je trouve que le jeu est beau et les MMO que je trouve jolis, il y en a pas beaucoup. Enfin, ce que je trouve vraiment actuel dans leur graphisme. Parce que si, en fait, même Tezo est joli, mais ça fait dater. Attends. Vous êtes plus shift. Ah oui, ça j'avais vu. On peut se transformer en loup. C'est un peu ça qui m'a convaincu aussi. Ils sont pas fait chier avec les montures. Attends. Oh, je les marave. Oh. Continue. Ah non, mais c'est en scénarium. Et coucou Joex. C'est un jeu PVP et PVE. Apparemment, je crois qu'on peut pas choisir un serveur que PVP. Et salut Cadix. Le Cassie, coucou Cassie. J'avais oublié ton pseudo. That feeble child has grown so well. La monture, c'est toi obligé de courir toi-même, c'est vrai. Oh, mais elle est belle. Eh, franchement, les yeux un peu jaunes avec les cheveux bleus, j'aime beaucoup. Ça fait très Japan Expo, je suis d'accord, mais j'aime beaucoup. Après, il y a NFR aussi, mais un peu inversé finalement. Enfin, donc c'est lui qui nous a filé son pouvoir. C'est beau, mais oui, il est beau. Oh, elle me fait penser à une actrice, ça y est, je sais. Une actrice qui a joué dans des séries un peu horreur. J'ai pas son nom. Oh, je sais plus.
Oh, je sais plus. Haunted Hill, peut-être. Bref, je pense à une actrice. Neve Campbell. Neve Campbell? Non, attends, je pense pas. Neve Campbell, c'est pas une actrice jeune, si. Quand je te dis ça. Non. Non, non. Attends, je crois que c'était The Manor of Haunted Hill. The Hill House. Je crois que c'était ça, ouais, voilà. Et l'actrice, c'est Kate Siegel. Ouais, elle me fait grave penser à Kate Siegel. Attendez, je vous montre sa tête. Je fais un petit alt-tab. Et je vous montre la meuf, c'est la même. Hein. C'est une photo. Surtout quand elle est un peu maquillée. Regarde, attendez, je vous montre ça. Hop. Voilà. C'est Kate Siegel. Ah oui, quand elle est un peu maquillée, là. Ah, mais elle est en blonde, alors on voit moins bien. Il y a pas beaucoup de photos, dis donc. Non, ça se fait, c'est pas... elle est pas connue. Mais enfin, voilà. C'était juste ça. Non, mauvaise touche. Ça, c'est moi, ça. Je sais pas qui c'est. La fille de Steven. Eh ben c'est Kate Siegel. Voilà. C'est une meuf que je jouais dans deux séries horrifiques que j'ai vues. Enfin non, une et demie, puisque j'ai pas vu tout. De la deuxième. Je me suis ennuyée énormément. Lox, je vais m'appeler. Déjà utilisé ! Ah ! Est-ce que je mets TV ? Oh non, quel enfer. Lox TV ? Ah, je peux pas. Ou en verlan. Comme j'avais fait. Lox, c'est la meilleure. Mais on peut même pas avoir un... Où c'est qui? C'est Lox, la meilleure. Attendez, je teste en verlan. En verlan, ça passe. Lox en verlan. La porte est bloquée, un peu dead. Bien sûr, je veux ouvrir la porte. Bam, avec mon mouillette. Ah non. Ah, c'est une porte coulissante. Oh bah oui. That's where you were. I was looking for you. Lottie transported supplies to the North Guard. Could you go with her to take the supplies? She'll need you since it's so dangerous. Mais on se connaît? I'd go myself, but for my arm. Mais ok, Benny. Give me a hand. Je te donne une main, je te donne une main. She didn't take the map again. Damn it. She'll probably get lost trying out a shortcut without this map. Can you bring it to her? M pour ouvrir la map. Ah, c'est pas le vrai M. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais peut-être trop baisser. Ah mais non, mais j'ai pas baissé pour vous. Mais comment ça se fait que c'est si bas? Ok. Eh ben, c'est bien. C'est la map. D'accord, c'est pas grand. Ah, c'est d'accord. Oui, d'accord. Le reste du continent est là. Nous, on est sur la petite lune. Eh ben, je prends la map. Now get going, friend. Get going. Où ça? Oh, le bruit. Hurry up the stairs and get out of here. Ah, les escaliers. Très bien. Je me hurry up, je me transforme. Oh, wow. Oh, la baleine, comment c'est classe. Je m'attendais pas du tout à ça. L'effet waouh, hein, l'effet waouh.
Heureusement, il y a le DLSS. Et bah, trop bien. Oh. Mais c'est vraiment très beau. Attends, F10 pour les nombreux contenus. F10. Oui, bah d'accord, c'est... mais si je fais échappe, ça fait pareil, non? Le codex, ça. Ouais, bah c'est le lore, quoi. C'est le lore. On verra déjà s'il joue au jeu plus d'une soirée avant de m'intéresser vraiment au lore. Le jeu est très très beau. Comprenez que je disais qu'il avait des graphismes un peu plus actuels que plein de MMO. On est possiblement encore dans le tuto, donc hors serveur en vrai là. Salut Lottie. Ah, le pipou t'as l'autu. Oh les yeux. Je vais faire demi-tour et aller la chercher. Ah, la carte. Je t'aiderai à livrer ce qu'il faut. Did Benny tell you? Honestly, I told him not to worry. Well, it certainly won't hurt to have you come along. Let's go. Je vois Lara Croft version fantasy. Ah bon? Non mais par contre, elle fait vraiment des expressions à la Sims, ça me fume. Qu'est-ce qu'on livre juste? We need to deliver some munitions. Oui, bah voilà, bah pareil, je suis d'accord avec toi, utilisateur anonyme. Je pense qu'il voulait... C'est vrai que dans les MMO, les expressions faciales in-game, on n'en voit pas beaucoup en général. Et là, ils ont voulu en faire trop. Vraiment... Mais bon, ça fait un peu vivant, quoi. Tous les persos sont moins beaux que moi, donc... Écoute, effectivement... C'est pas compliqué, j'ai envie de dire. Pas trop te la péter non plus, mais... Non, ils sont trop pipoutes. Il y a ce côté trop parfait, peut-être. Moi, j'aime bien le côté un peu plus moche qu'on retrouve parfois dans les Elder Scrolls, mais bon, c'est un peu trop ma ref en RPG. Et c'est une ref un peu datée aussi, donc... Moi, j'aime bien quand les visages ont un peu des défauts, au final bah, j'ai fait un visage totalement parfait, donc je ne suis pas cohérente avec moi-même. J'aurais peut-être pu lui faire des défauts, je l'ai pas fait. Tu es la slie beauté absolue, mais tout à fait. Oh là là, c'est des doudous. Ah, je vais choisir mon arme. L'espadon. Ok. L'épée. Oh, j'aime pas, on entend un son à gauche. Je vais baisser un petit peu. Avec le... Ah oui, du coup, le bouclier, il est comme ça tout autour de nous. Oh, c'est intéressant, ça. Ça, c'est quoi, ça? La dague est parfaite. Pour être furtif, inflige des dégâts empoisonnants. D'empoisonnement. Excusez-moi, je baisse, mais on entend un bruit tout le temps à gauche. Ouais, ça, c'est les classes, tout à fait. Mais du coup, ça veut dire que tu peux changer, tu peux switcher assez facilement, c'est un petit peu comme dans New World. Accélérer la guérison. Ah, mais c'est aussi le support. Accélérer la guérison des membres du groupe. Ce qui est très pratique pour venir en aide à vos alliés. L'arbalète. Ah, il y a un côté très rapide. Agilité, rapidité. Ça marque les ennemis. Ok. Faire appel à tous les éléments de la création. Ah, ça c'est des gameplays assez fun en général, on va pas se mentir. Mais t'es très squishy. Mais c'est stylé. Magie de zone, ça j'aime bien. Et ça c'est quoi? La baguette. Et là c'est vraiment le full healer. Contribuer à garder le groupe en vie, mais vous pouvez aussi vous en servir pour lancer des malédictions affaiblissant l'ennemi. Ouais, c'est vraiment support. Le shield était pas mal, je trouve. Ouais, moi je suis sur shield, arbalète ou magie. Ça, je me dis, ces gameplays là sont peut-être plus simples quand on commence. Pour comprendre un petit peu là où quand tu vas dans les gameplays comme ça, ça va être plus complexe à appréhender. Et en général, t'es beaucoup plus une chips. Là où au moins je résisterai, quoi. Vraiment, je joue healer. Il y a bien healer en tout cas.
Après, j'imagine que je pourrais changer, mais pas tout de suite. Ça, c'était à discrétion. Je suis pas très discrète après, mais si, dans les MMO, un peu plus. Passer rapidement derrière les lignes de l'ennemi. Les dégâts d'empoisonnement continuent, permettent d'assassiner. C'est l'arc, la balade, c'était quoi? Elle marque les ennemis afin que vous puissiez... Écoutez, je vais prendre un gameplay qui me semble plus facile à appréhender. Tandem épée bouclier, comme ça me donne une défense moins efficace. Deux, contrôle de foule, ça peut être sympa. Gagner sur le champ de bataille en attirant les ennemis à vous. Protéger vos alliés. Un peu tanky alors. Je vais tenter un côté tanky. C'est ce qui me, c'est le truc qui m'a parlé le plus vite. Comment je fais pour choisir? Ah oui. Là je fais la croix. Tu saoules. Toi, tu m'as saoulé. Pendant tout le temps où je choisissais. Tes vieux trucs, ça m'a saoulé. Ah mais j'ai déjà choisi mon épée bouclier? Non, j'ai pas l'impression. Arrête. Se rapprocher de l'outil. Arrête. Je sais pas comment j'annule. Ah voilà. Équiper l'équipement. Ah, faut que j'équipe l'équipement, tout simplement. Pardon, j'ai beaucoup baissé. Contrôle plus. Ah, ça c'est le verrouillage sans tirer. D'accord. Et j'annule pareil. Ok. Merci pour l'info. Équiper l'équipement. J'aimerais bien, mais c'est quoi la touche? Parce que ça c'est le verrouillage. Je vais faire ça. Ah non, c'est ça. Je vais faire échappe. Voilà, ça passe. Perso. Au final, tu peux être tout en fait. Ouais, mais t'auras peut-être après des compétences à améliorer. Ou alors ça s'améliorera tout seul au fur et à mesure. Je ne sais pas. Consulter les volets à droite. Ok. Et ben ça, du coup, c'est ce que j'ai déjà. Arme. Ah, mais j'ai tout en fait sur moi. Ah, j'ai totalement tout sur moi. Épée bouclier, j'avais dit. Ah, mais je peux passer en rouge. Je peux prendre que ça pour le moment, c'est ça? Ah oui, non. Attendez. Changer d'ensemble d'armes pour équiper un deuxième type d'arme. D'accord, je veux bien. Je vais lire le tuto. J'arrête de péter un plomb. Vos statistiques changent en fonction de l'arme que vous avez équipée. Ouais, normal. Ferme la fenêtre de personnage, découvre les compétences. J'ai pas de... Là, j'ai pas pris d'arme, en fait. C'est pas donc... ça que j'ai, moi? Mais moi, je veux ça. J'ai dit. Voilà. Voilà, c'était ça que je voulais. I pour inventaire. Oui, c'est assez logique, j'aurais pu tester, ouais. Le rouge, c'est parce que c'est nouveau. Ok. Bah, on va pouvoir tester, alors. Dans 10 minutes, j'ai joué. Dans une heure, je devrais pouvoir me connecter. Ouais, c'est ça. Ah, t'auras peut-être plus de chance que moi. On avait dit quoi? Savoir 46. Hop là. Ah, et du coup, tu peux faire déjà tes ensembles. Et ben, c'est bien ça. Comme ça, tu peux switch de spé très facilement. Montrer le couvre-chef. Oui, pour le moment, j'en ai pas. C'est facile. Ok. Et ben, on va tester ça comme ça. Et on peut réinitialiser. Ah oui, alors, regardez. Alors, ce sera peut-être différent. Mais j'ai l'impression que je peux réinitialiser les stats. Juste avec une monnaie peut-être. En tout cas, ce sera assez facile. De respect. C'est bien. Je trouve ça mieux, moi. Alors. Impossible à cause de l'arme actuellement équipée. Ah mais j'ai pas d'utilisation. Mais Ah mais c'est que j'ai peut-être pas encore débloqué les autres compétences. Pour le moment je peux rien tester. Attends, quand... ouvre le menu principal. Ah. Ah non. Ah oui, du coup l'inventaire ça monte juste le sac. Compétences. Lorsque vous vous protégez de l'attaque furieuse d'un ennemi avec une compétence défensive, chaque arme active un effet spécial. Bah oui, mais comment ça se fait que du coup c'est pas... ma barre d'action elle est pas liée à l'arme?
Les compétences actives peuvent attaquer des ennemis ou produire d'autres effets. Oui. Compétences passives. Compétences passives sont toujours appliquées. Ça vous permet de changer de style de combat en fonction des choix. Compétences ajoutées aux emplacements rapides. Peut-être utilisées en combat. Ah mais c'est chiant du coup, faut le faire manuellement à chaque fois. Dépasser les compétences dans les emplacements rapides pour les équiper. Seules les compétences équipées peuvent être utilisées. Oui, d'accord. Ah mais je voudrais pouvoir switch rapidement, moi ça me permet pas de switch rapidement ces histoires. Allô ? Bon. On verra. Ah oui, il y a un ensemble et là il y a un autre ensemble. D'accord. Bon, bah, je vais laisser comme ça pour le moment. Ah d'accord. Ok, c'est rigolo. Bon, les binds ça va pas du tout, hein, mais... Ça c'est mon shield. Et ça, c'est un petit grappin. Ok. Ah, j'ai pas... Il y a une autre compétence que j'ai pas switch. Ouais, le A. On sait s'il y a du housing dans le jeu. Aucune idée. Et du coup, c'est l'hiver. Je sais plus si je t'avais dit bonjour. Attends. Compétence. Faut que je change le A. Voilà. Sûrement, je sais plus. Je sais plus non plus. Ok. À la rencontre de machin, et ben là, ça va être bon. Du coup, on va pouvoir tester notre notre build actuel. I see. Wait a second. Ah, j'ai voulu interagir, il m'a proposé. Trop classe, comment il se transforme lui, j'aime trop. In the past, Captain Da Vinci Erin led the resistance to defend the island from the Arkham Legion. Vas-y Loti, monte sur mon dos. En plus, je suis tellement badass. Qu'est-ce qui se passe? Je me regardais moi tellement j'étais sexy. Mais je sais pas ce qui se passait, je me regardais moi. Utilisez le piton. Non, j'ai pas fait beaucoup de codage. Ah, d'accord. Comment on fait? Ok, merci. You came across a watchtower that had collapsed after an unusually powerful attack by the Arkham Legion. Qu'est-ce que c'est ça? The rubble blocked the path. Ah oui, c'est juste pour montrer comment faire. Used a grappling hook and piton. Vas-y, viens, Loti, viens. Oh, il y a du... Well, you've come at the perfect time. Would you go out and find... T'as besoin d'aide, c'est ça? Oui, d'accord, d'accord. Bonjour. Des boules de feu traversent le ciel. Ah. How is the North Guard? I hope they haven't fallen. On va voir. Come on, let's hurry. À vaincre le Mitran. C'est quoi le Mitran? Il est doté à 20. Mitran sombre. C'est ça peut-être. À pleine des murmures. Ok. Attends. Attends, je mets ma compétence comme ça. Hop. Ensuite, attends, je fais ça. Ah, j'ai oublié. Attends, je fais ça. Et bim. J'ai pas mal. Oh non, j'ai été sonné. Ça va, ça va. Ok. Bon, pour le moment, on n'est pas encore dans du MMO. On est vraiment sur de l'intro encore. Attendez. J'aimerais bien avoir ma compétence où je peux foncer. Je vais la tester.
Oh, j'ai une petite bête qui a fait. We must hurry. Attends, faut que je fasse ça. Ensuite ça. Et là, c'est pas mal. Ah, le bâtard. Faudrait que je mette la compétence d'esquive sur ma souris parce que le A, vu que je me déplace en même temps, c'est chiant. Si je me déplace à gauche en faisant A, bah c'est très chiant parce que je suis obligée de faire un truc comme ça. Il nous suit lui, mais il est utile ou pas? Ah oui, c'est un soldat. Ah, mais le tuyau aussi, elle se transforme en animal. Super dangereux d'être bûcheron dans cet univers. En même temps, t'as bas à end à chaque fois que t'as besoin de bois, quoi. The pulley lift broke. We can't keep going like this. There isn't one. Il doit y avoir un autre chemin, j'imagine. To cross Whisperian, or we'd have to go by boat. That won't do. Burmetz is here, so check the Burmetz. I'll get this fixed. You go help the other resistance members. Burmetz, can you fix this? Well, between the ah, quelqu'un m'entend. C'est qui me parle? Ah bah faut que je suive. Oui, je peux te voir. Thank you. I was attacked near Whisperian. Ouais d'accord, mais désolé, j'ai ma navi qui m'appelle là. Voilà, ça en profite un peu plus. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, je m'attendais tellement à un truc mieux. Oh non, c'est une pimone dégueulasse. Oh non. Oh non, pata. Oh, je vais tellement te mute, toi. Oh non, 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 ça y est, je la déteste. Est-ce qu'elle dit pipi quelque chose, c'est pour ça? Oh non, je déteste les sidekicks comme ça, c'est trop chiant. Coco, coucou, c'est qui? C'est Agnar qui vient. Bonsoir, hein, coucou Agnar. Oh non, une pimone. Non, non, mais qu'est-ce ça par contre? C'est peut-être pour ça hein, que le jeu, il a pas plu. Hein. Bon, j'en sais rien, mais... Elle est chou, mais bon, elle a pas de pantalon. Ah non, non, moi je trouve ça jamais chou. Les persos qui ont des petites voix en permanence et qui te font chier tout le temps. Un mystérieux being bathed in light appeared and led you to the top of the great tree. D'accord. Ça me saoule qui te suivent et qui vont essayer de faire des blagues là. Oh, je sens déjà, hein, le perso va essayer de nous faire des blagues. Hein. Ça se voit direct. Et je le déteste déjà. Et en plus, j'aime pas le côté poupée de chiffon en fait. Moi je trouve pas ça mignon. Je la trouve horrible. Et pourquoi des cheveux longs? Et tu es censé être quoi en fait? Tu es censé être quelle espèce? Hein? Horrible. Non, non, j'aime pas. Ça va pas le faire. Enfin, j'espère qu'elle va se taire tout le temps. De quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? De toute façon, j'ai pas le choix de la conversation. Vous avez le pouvoir d'un fragment d'étoile. Comment tu sais? Je lui ai dit sûrement. Je veux protéger cette île. Apparemment. Please go to Tuaran's Tara. Since you have the star fragment, you can use glide morph to get there. I'll go over all the operation details later. By the way, have we met before? Sorry, forget it. Got to stay focused. Ah, it's an enemy Allez. Attack. We better hurry. Perform a glide morph by jumping off. Ah. I'll go first. See you down there. Oui.
OMG, je vole. Ah, je peux pas monter comme je veux. Today, I will dedicate the star fragment of Whisperia. Okay. To Khazar. Oh, c'est trop cool. J'arrive. Resistance, get ready. Je suis là. Tu arrives en volant. Comme ça, tranquille. Stylé, hein. We're starting the operation. Using experience. Ah, remettre d'attaque de qualité, remettre de défense peut-être. Remplissons le po... Attends, si nous la remplissons de poussière de feu d'un coup, la tourelle va surchauffer. Voler la poussière de feu des orques et jeter là dans la tourelle, c'est ça? Alors éliminez les orques pour obtenir la poussière. La poussière de feu récupérée s'affichera au-dessus de votre personnage, d'accord. Alors attends, je fais ça. Ah, trompé. Oh, la poussière. Ok, là j'ai eu la poussière, tab, pour changer de cible. D'accord, d'accord. Je peux pas lui foncer dessus, j'ai pas la compétence. J'ai de la poussière du coup. Est-ce que j'en ai assez? T'afficherais au-dessus de votre personnage, j'en ai 12. Il en faut combien? Il en faut 20. Ok. Attends. Ah, ok. Faut que j'esquive, mais faut vraiment que je mette ailleurs la touche. Est-ce qu'il faut ou pas? Ouais, est-ce qu'il faut. Intéressant. Ouais, pour le moment, c'est intéressant, ouais. Faut bien faire des binds pour que ce soit... pour être à l'aise. Mais j'aime bien, en tout cas, ça donne envie. Attends, j'apprends. Je fais ça déjà. Ensuite, je fais E. Non. Si, je fais ça. Voilà. Et là, je fais ça. Et là, merde. Là, je fais ça. Ah non, pas du tout. Là, je fais. Elle est où ma vie? Elle est où? Oh, je suis pas prête du tout. Je vais totalement mourir. Terminé le tutoriel. J'ai même pas vu ce que ça m'indiquait. J'étais en plein combat là. C'était compliqué là. Au moins. J'ai pas l'impression. Heureusement, je suis full heal. Hein. Ouais, de toute façon, faut que je reste à son contact, je pense. Non, c'est ça que je vais faire. Oh là là! Je vais dézoomer. Je suis poussé au bon moment, je sais pas. Mais jamais on y arrive là. S'il faut que je fasse un truc, vaincre le roi, non, ben non, faut y arriver comme ça. C'est pour montrer un petit peu comment ça va se passer les combats de boss.
m'éloigner parce que là c'est chiant. Oh, j'étais pas collé à lui. Bon, je pense que de toute façon je peux pas mourir à ce stade là, j'ai l'impression. Donc, je vais essayer de continuer à le taper. Ah, c'est que c'est sa phase 2. Ah bah si, je suis morte en fait. On va voir. Ah merci de nous aider toi. Son œil gauche. Oh, ok. C'est classe. Les cinématiques sont très cool. Et le fait de bien voir notre personnage très animé, tout ça, peut-être un peu trop, mais voilà. Et ben, on est investi dedans. Merci Twitch de me dire que Locke c'est en stream. Twitch, c'est super. Oh, dégage! Oh là là! Pourquoi ils ont rajouté ça, bordel? Ah, mais c'était bien moi, j'avais dit que ce serait moi. J'avais dit que c'était nous. Children, this way. Il y a 95 personnes, je pense que je suis sortie du tuto. Où ça? Hey, wake up. Hey, wake up. That's strange. I wasn't told about any serious injuries. You disconnected from your channel. Hey, awake? Ah bah Benny, qu'est-ce que tu voulais, Benny? Oh nice. Toujours à l'écran petit, Clarky. I'll call the healer now. Ouais, call the healer. Non, dégage, Pimon. Je ne veux pas te voir. Dégage. J'espère qu'on pourra la désactiver. Péter un plomb sinon. The children who lost everything here 10 years ago. Now. Vous avez un message non lu. Mais dégage! Est-ce que ça va? Non! Va-t'en! Qu'est-ce qui s'est passé? Ton mana a explosé et tu as pulvérisé le roi. C'est vrai? Trop classe. Bon, c'était surtout la hache hein, qui l'a pulvérisé. Mais j'avoue que j'ai fait avancer de fou. Je m'en souviens pas. Ton bras est devenu tout violet et ta hache est partie direct dans l'œil. Ah, mais oui, c'est vrai que la hache était violette. Je pensais que c'était elle qui était magique. La mauvaise essence. Non, c'est la bonne essence. Pas trop mal au bras. Nous allons demander la clé. Ok. Ok, bon. Alors que je finisse le tuto, moi. Je veux voir les joueurs, là. Je vais t'offrir sa peluche. Jamais. Non. Alors, t'as, mais ça, tu te détestes, hein. Et encore, elle au moins, elle fait pas tous les dialogues, on dirait. Parce que dans Genshin Impact, Pimon, j'ai dû mute l'entièreté des dialogues, essentiellement à cause d'elle. Hein. Et à cause des personnages féminins qui faisaient des... Horrible. You did good. Oh, you're finally awake. Come this way. Je come this way. How are you? Feeling better now? Tu me sens super mieux. The enemy withdrew after you took out King Vert. I'm glad you weren't seriously injured. Il a battu en retraite. Ouais, si je l'ai niqué, du coup il a battu en retraite. Oh, right. From the time when we barely escaped from the chapel in one piece, I almost didn't recognize you.
On a bien failli y rester en s'échappant. Parlons de votre pouvoir. À ce rythme, on risque de vous pourchasser comme avant. Vous pouvez même perdre la vie. À cause d'une frénésie de mana. Ah, c'est que je suis trop puissante, trop powerful. You know, I have a friend in Lasland named Son nom est Martinet, j'aime pas trop. She is conducting research. Elle mène des recherches sur la mauvaise sens. She should be able to help you out. Ok, bon, on va voir. Hein. J'imagine que c'est elle qui va nous permettre de... The storage manager in Castleton, d'acquérir des nouvelles compétences. In fact, no matter the town, la gueule the storage manager is nowhere to find anything. La gueule du day off. Ouais, mais j'avais envie de jouer. Voilà. Alors, get you all the way to Castleton. Oh, mais ça par contre c'est plus rigolo. Bon, je parie qu'il va faire. Ben voilà, moi je préfère lui. Je peux échanger. Oh, je sais pas, il a l'air très chiant aussi, mais je le préfère quand même. Skill enchant commence. Oh, ouais. Ok, Daft Punk. Non. Ouais, elle est pas content parce que c'est pas WoW, mais c'est ça. Ça se voit, lui, il est poufsouffle. On dirait un nerd dans le cosplay, je suis d'accord, ouais. On dirait un nerd dans le cosplay Harry Potter, quoi. On dirait tous des cosplays, en fait, d'autres jeux. Elle a fait penser à FF. Lui fait penser à The Witcher, au Bard. Elle a fait penser à Yennefer. Le petit machin fait penser à Pimon. Lui, on dirait un Ron Weasley mix Sam Gamgee. On a vu un stream de Love, t'as vu, Katali? Ah, petite cinématique. Dégage, Pimon, je ne veux pas que tu suives. Oh, par contre, la baleine. Oh, la baleine, je la kiffe. Hein. Je ne te parle pas. Je ne te parle pas. Ça, t'es quoi? Non, c'est Serdeg, c'est pas PCRDEG. Rie. Pikachu! Mais Piquet. Ouais. Argaron, Barry Potter. Barry Potter. Yennefer. Oh non, ça lagouille. Je suis désolée. Ouh, waouh. Alors je l'ai vu sur un autre stream, cette cinématique. C'était pas comme ça. Bah là c'est pas fluide là, malheureusement, c'est dommage. Ça va encore de notre côté? Ok, ok. C'est qu'il y a un peu un tremble... En fait l'image tremblote. Et je sais pas si je l'avais vu sur le stream tout à l'heure. Peut-être que c'était déjà le cas. Ouais, le jeu est beau, ouais. Et c'est vraiment, je me suis dit, punaise, un MMO avec cette gueule, je veux trop tester en fait. Et comme ça, là, cette petite cinématique nous montre un peu ce qu'on va pouvoir voir. C'est cool. Et ouais, je trouvais que il y avait une bonne diversité des monstres. Ça donnait bien envie. Dans cette petite cinématique que j'ai vue, quoi. Et puis moi, le côté action MMO, bah ça me chauffe bien. Je préfère que les MMO un peu classiques. Alors je parle surtout des MMO occidentaux. Le gameplay classique des MMO occidentaux. Parce que je connais assez mal les MMO japonais ou coréens. J'ai pas réussi à m'y intéresser. Hello Zatou! Donc il va celui-ci. Je t'ai ajouté. Ah nice! Ok, on pourra se rejoindre après la cinématique, ça c'est cool ça. Black Desert, bah j'avais un tout petit peu testé. Je sais pas, j'ai eu un peu un blocage. Mais j'avais testé à longtemps en solo aussi. Et même au coréen est plutôt cool, ok. Cinématique pour rêver, bah t'as vu pour... Alors bon... Encore une fois, c'est pas très fluide, c'est un peu le souci aussi. Vu que je stream et tout, bon, le PC il galère un tout petit peu encore, ça va. Mais encore une fois, pour MMO, on est sur un truc qui va un peu du rêve, sachant que c'est une bêta aussi. Ah! Ah bah ça y est! Je suis avec des joueurs! Oh là! Oh le bordel! Alors,
Alors attends, c'est quoi? Associez votre identifiant Amazon Games et votre compte Steam pour recevoir deux Amoy exclusifs du lancement. Non mais je peux les faire disparaître surtout ces merdes là? Je veux bien le faire mais je préférerais vraiment tellement faire disparaître ces petites merdes moi. Je peux pas associer les comptes, ma souris en fait elle passe en dessous là. Ah non c'est bon, attends, hop hop. J'ai pas de compte Amazon Games moi je crois. Hein. Ça marche pas. Ah si! Ah non! Oula! J'ai une déco? What the fuck? J'ai une déco Discord au moment où j'ai fait ça, du coup je me suis dit merde, ça se trouve il y a tout qui est en train de se déconnecter. C'est le compte Prime, mais j'ai pas de compte Prime moi. C'est Royal qui gère le Prime. Bah après je peux peut-être prendre le sien hein, parce qu'il jouera jamais au jeu je pense. Mais non, parce qu'il est déjà associé à son truc, à son Steam à lui, donc non. Mais je peux même pas, en fait je peux même pas faire la croix, je peux rien faire. C'est chiant. Voilà, attends. Ok. Bon ça veut pas. Alors je vais au moins essayer de faire la croix. Ah. D'accord. Est-ce que ça va rester tant que... Ah non c'est bon, fallait faire échappe. Ok. Et ouais, Xatou, bah, je sais pas si t'intéresse le jeu, mais en tout cas, tu peux faire une demande de bêta sur Steam. Et ça a accepté tout de suite. Mais par contre, tu vas pas réussir à te connecter tout de suite. Magnifique ça! Walala! Ça va la fluidité, j'ai l'impression. Peut-être baisser un tout petit peu les musiques qui sont jolies, mais qui sont très aiguës et du coup. Ouais, on est sur un. Allez, quand je cours, on n'est pas sur du 60, hein, mais... Mais ça va. Ça a l'air d'être constant. Pour le moment. Est-ce qu'il est aléatoire, notre fauve? Parce que le mien, il est trop beau, je trouve, hein. Oh, il est en rapport avec mes cheveux, peut-être? Je sais pas. Ou alors, non. Ou alors, c'est on a tous le même. On va quand même tenter. Tu vas tester le jeu. Si j'arrive à me connecter un jour, je ferme plus jamais le jeu. J'ai pas le même. Ah t'as pas le même. Parce que moi j'ai l'impression que j'ai vraiment eu un bon tirage par rapport au pauvre. C'est qui là? Oh mais c'est Kato. Mais c'est toi. Fais voir. Ah voilà. Ah moi j'arrive pas à... Comment tu fais pour rester toi? Il est beau le tien quand même aussi. Je trouve le mien est plus beau quand même. Ah faut rester appuyé sur shift c'est tout. Je vais m'accoupler avec toi Kato. Je suis un peu le lion de ton léopard. Attends. Alors attends. Je peux accepter ton invite, je pense, et j'aimerais bien lier mon compte aussi. Et faudrait que j'en fasse un petit bind ou deux. Y'a quelqu'un à côté? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais aussi? Ambelazadora. Non. Alors mon pseudo c'est Exol et pas Lox, parce que Lox était déjà pris. Donc c'est en verlan que je l'ai fait. Mais Dathani Pointman, elle approuve le verlan, alors c'est super stylé. Alors. Message peut-être, relation. Akato. Accepté évidemment. Voilà. Ça c'est fait. Ça bouffe des culs de félin. Et ouais, c'était jaloux parce que toi t'es un booba, t'es un ours. Nous entre félins, c'est un truc qu'on fait. Musique est sympa. Ouais. Peut-être un chouïa trop aigu, je trouve. Ah, mais il y a peut-être que deux types de fauves, on dirait quand même. Ouais. Et du coup, je vais la baisser un chouï. Je peux pas regarder tout. Ah, si, quand même. Ah, mais j'ai mis à... Je me disais aussi pourquoi le son du jeu est pas très fort alors que je mets à fond. Oh,
ça reste pas hyper fort non plus, alors que j'ai vraiment tout mis à fond. Interface, ah c'est un peu baissé de base, et bah ça c'est très bien. Ambiance et voix, c'est un peu baissé de base. Oh, je peux la mute. Oh ta gueule. Merci. Ok, j'ai pu mute la poupée des enfers, ça c'est bien. Et la musique, je vais la baisser un petit peu, je vais la mettre à 60. La pluie, c'est pas ce que je préfère en fond non plus. C'est ambiance. J'ai trop baissé la musique, on dirait qu'elle boude maintenant. Elle me fait du booding. Salut Eden Life. Ah oui, c'était le gars chelou qui me parlait de mes dents tout le temps. Ça faisait longtemps. Je change de sujet, sinon ça va être un ban. Hein. Salut Jay, merci pour le follow. Nous sommes en route vers le nord pour sauver nos frères pris dans la bataille. La légion d'Arkham de Revilipius. Plus long. C'est emparé de Nyx, a traversé Talandre, puis pénétré dans les frontières. Allez, le name dropping, je sais même pas de quoi tu me parles. Je veux bien lire, hein, mais je sais même pas de quoi tu me parles. Salut Jay. Oula. Oh. Ouh, le lag. Je vois que vous avez... Il y a eu un lag de fou sur mon stream, je ne sais pas pourquoi. Aucune idée de ce qui se passe. Et je vais fermer des trucs inutiles. Voilà, j'ai fermé des trucs un peu useless. Salut Jay. Voilà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Pour jouer Xatu, t'as juste besoin de demander la bêta sur la page du jeu. Est-ce que je l'ai encore en... Voilà. T'as juste à demander la bêta là-dessus et normalement tu l'auras tout de suite. Parce que, en fait, c'est une open bêta, mais tu dois quand même demander l'accès. Et après, bah, les serveurs sont un petit peu lents, donc le téléchargement va pas être forcément le plus rapide. Et une fois que ce sera téléchargé, le truc... le seul vrai hic, ça va être se connecter, parce que les serveurs sont un petit peu full. Même si ça commence à aller mieux, j'ai l'impression. Enfin, parce que j'ai pu me connecter. Ouais. Bon, pour vous, c'est pas... Ouais, on a un petit... 45 FPS quoi, mais bon. Je voulais refaire vite fait parce que c'est chiant. Mes binds, désolé Kato qui essaye de me suivre pour qu'on joue ensemble. Mais là j'ai tout fermé, même Discord, parce que j'ai l'impression que ouais, bah, c'était un peu compliqué pour le PC. Gameplay, ce serait dans. Bah, raccourci. J'imagine. Et du coup, le A, je vais le mettre sur la souris si je peux, parce qu'on peut pas toujours. On peut pas toujours. Ah, ça a marché, ça c'est cool. Parce que l'esquive, je le mets trop sur la souris. C'est trop... Sinon, j'arrive pas à le faire. Ensuite, les touches 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je peux les rebind? La map aussi. Elle est où? En tout cas, ça s'est mis en tête QSD de base. Ça, c'est cool. B, retour. Changement d'arme, ok. Après, changement d'arme, la souris, ça peut être bien, mais bon. Ah là, c'est personnage, faut peut-être que j'aille dans d'autres trucs. Ah oui, voilà. Le E, c'est attaque de base. Ça peut pas être clic gauche, l'attaque de base? Clic gauche, il sert à quoi en vrai? Ah, c'est clic droit. On peut faire clic gauche, lui? Voilà. Hein. Et ensuite, raccourci. R, c'est quoi? Vision astrale en fonction du curseur. Je mets ça là. Hein. A, E, R, ça va, je sais faire. Ce sera quand même plus accessible pour moi hein, si je fais comme ça, même si c'est pas le mieux.
Ok, on va voir. Hein. Je teste. On veut de la bagarre. Ouais, bah fallait que je rebaigne. Et du coup, mon esquive, voilà. Elle est un peu plus agréable. Un truc astral, c'est quoi? Ouais, bah je peux pas le faire. Alors, faut que je parle à ça, je vais lui parler. Lord Hobbs of Laslin resisted Revolupius, who had usurped the throne, but his dominion was taken by the Arkham Legion. However, Laslin was 55 gigas. J'ai le temps de bouffer un peu. Et coucou Oxlash, et puis je t'ai dit bonjour. Qui gauche en général, c'est pour la caméra. Ah, j'avais pas pensé. Ouais, mais la caméra, c'est ça en fait. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est que moi j'ai pris le. Vous avez le choix. Ah oui, ça c'est important à préciser. Quand vous lancez le jeu et que vous entrez pour la première fois dedans, on va vous demander si vous voulez un gameplay plus dynamique. Un peu action, enfin plus action MMO ou un gameplay plus classique MMO où effectivement la caméra va être dissociée du personnage et où ce sera plus une manière de jouer à la WoW. Et moi j'ai pris plus action, du coup c'est mon clic gauche ne me sert pas à... mon clic gauche me sert pas à viser. Ah mais lui aussi il a un fauve différent. Éclat. Mais le mien il est plus beau je trouve. Ah ça lag de fou par contre. Oh. Peut-être un truc, je vais baisser un peu les graphismes. C'est dommage mais je vais baisser un petit peu les graphismes. Ce sera mieux. Mais il faudra peut-être que je redémarre le jeu, ça me fait flipper un peu. On va tester. Graphisme qualité. On va se mettre en élevé. Coucou c'est qui? C'est Kion! Alors j'ai pris un truc plutôt tanky apparemment. J'ai pris là pour le moment en classe, mais c'est pas... En fait, c'est pas vraiment que t'as une classe, c'est plutôt que tu es... T'as ton arme qui définit ton type de gameplay. Et là j'ai choisi épée bouclier. Et du coup c'est plutôt tanky. Mais sur nous, dès le départ, on va avoir tous les types d'armes différentes. Il y en a genre 6 ou 7. 8. Et on peut les tester, si on veut. Moi là pour le moment je vais essayer de comprendre déjà ce gameplay là. Ok. C'est plus fluide mais c'est quand même moins joli. Mais c'est plus fluide. Et bon bah les FPS c'est important quand même. Kato envoie une invitation, bien sûr j'accepte. Lorsque vous êtes en groupe, les joueurs et vous pouvez sélectionner la cible du chef de groupe en utilisant l'aide de groupe. Ok. La cible actuelle du chef de groupe. Ah bah oui d'accord. J'adore la musique de ce jeu. Ah bah ouais, c'est vrai qu'elles sont à côté cool. Bah là, ça fait très compté, là. Et Kato, il est là. T'as lié ton compte, Kato, ou pas? Excuse-moi, du coup, je te force à Alta pour me répondre. Ah non, là, c'est plus fluide, c'est mieux. Ouais, ça me porte tout à fait. C'est une bêta pour le moment. C'est cool, ça laisse tester un peu tout. Ouais. Je vais... Attendez, est-ce que je peux vous montrer? Voilà. Moi, là, je teste ça. Mais de base... Alors, on a un arc aussi de base. Et on nous file... Voilà. La première arme, c'est-à-dire l'espadon, vraiment l'épée à deux mains. On a les petites dagues, pour être plus dans la discrétion. On a l'arbalète, pour être dans la rapidité. Le bâton, où c'est de la magie, mais vraiment de combat. Et la baguette, où c'est du heal. Et ah mais il y avait aussi l'arc en plus de l'arbalète, je sais plus, qui est aussi un healer, c'est le ranger quoi. Un mélange de... Ah les musiques tu veux dire? Mélange de Miyazaki et de... J'allais dire Legend of Zelda bien sûr, Lord of the Ring. Top! Et ça c'est quoi alors? C'est juste des documents à trouver Vous connaissez machin? Alors on peut pas choisir de races différentes mais il y en a bien plusieurs. Mais ça c'est peut-être parce que c'est la bêta aussi. Je sais pas. C'est Clay qui m'envoie. You know Clay? I still can't tell you though. Try visiting the priestess. Okay. Faut que j'aille voir la prêtresse.
Ouais, j'ai lié en connectant avec Steam. Mais comment t'as fait? Parce que moi, le lien, il marchait pas. Parce qu'ils me disent que j'ai que 15 minutes pour le faire. Pour avoir un skin. Alors, j'aimerais bien. C'est quoi ce nom tout nul? Ouais, Chrono of Liberty, je suis d'accord. Pour le Totoro-han. Pour le Totoro-han plutôt. Ah, il a un dodo en guise de monture. Bon, je vais voir s'il me propose. Ah, là, si j'ai mon message, peut-être qu'il va me proposer. Merci de participer à test de machin. Un cadeau de Lucent a été ajouté à votre compte. D'accord. C'est quoi le cadeau? Je peux savoir au moins? Il me dit même pas ce que c'est. Il me dit... Ah, c'est peut-être ça. Les objets de la boutique spéciale ou de la maison d'enchères via le menu. Les achats de monnaie et d'objets ne sont pas transférés. Tous les achats en monnaie expireront à la fin de ce test. Les achats en monnaie. En monnaie réelle? Ça veut dire que t'achèterais des trucs que pour la bêta? Pas terrible comme principe. Attendez, je vais me foutre là où il y a moins de bordel. Excusez-moi, je cherche dans les menus comment lier mon compte. Ah, métamorphose! Ah, je peux choisir. Vol plané. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah mais après, t'as des trucs mieux. Je sais pas. Oh, le corbeau de machin, là. Condition d'obtention. Ah. Ah oui, c'est avec une quête qu'on a ça. D'accord, nage. Oh punaise, on peut être une loutre. Loutrang! Oh, une loutrang! Ah, mais non, mais on a le choix ici! Le scroll! Il est bien le scroll! Ah, bah voilà, Kato, on peut choisir en fait. Entre ces trois-là. Je vais prendre le loup. Il me sied. Gain de niveau. Et du coup, nos montures. Enfin, notre métamorphose. Iront de plus en plus vite. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Transmutation. Ah mais tu... D'accord. Tu peux après avoir juste des transmutations de bestioles. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? C'est pour mon Pimon là? C'est Lineage? Non, je sais pas, je connais pas. Ça fait longtemps que le jeu a été annoncé. Je sais pas. Faut se transformer en Astalic aussi comme Morizet. En pigargue quoi. Et ben je sais pas comment lier mon compte. Et un season pass, évidemment. Je peux faire alt pour avoir la souris. Alors je l'ai fait plein de fois, vous le voyez pas sur l'écran, mais je cliquais et ça ne faisait rien. Boutique spéciale, tiens. D'accès anticipé de luxe. Ouais, mais du coup, tous ces alors c'est très classe, hein, mais tous ces achats là, ils vont être caduques après la bêta, ce serait bâtard. Et il sort en septembre le jeu. Je sais pas, on m'a dit que c'était ceux qui avaient fait Guild Wars, moi. Mais je me suis rien. Je me suis rien spoil, je croyais pas. Enfin, je connais pas, plutôt. Bah alors, je vais aller dans les paramètres et voir si je peux lier, du coup, mon compte. Info. Bah pour le moment, hein, je sais pas. Hein. Mais d'où il y a un flou cinétique, j'ai désactivé. Ah oui, mais le jeu s'est relancé. Bon bah j'aurais pas le petit skin je crois. Hein. OMG j'ai réussi à me connecter. Let's go l'architecteur. Guild Wars c'est ArenaNet. Ok. Guild Wars ils ont que publié. D'accord. C'est un autre dev.
Ok, donc il y a plusieurs. Il y a plusieurs éditeurs. En bas à droite. Associer les comptes. Alors. Merde. Associer les comptes. Putain. Non, il veut pas, hein. Alors vous voyez pas... Ah si, vous la voyez. Ah si, c'est bon. Regardez. Bah, j'ai pas de compte, il va falloir que j'en crée un. C'est chiant un peu. Oh les bruits. Mais la magie, c'est super sympa, mais on l'entend trop là. Saisissez le code de votre jeu pour lier votre compte à Amazon Game ID. C'est quoi le code de mon jeu? Ça là, le code que je mets? Mais y a trop, je crois, non? Ah non, mais y a trop. Code d'association. Mais attends, je suis pas folle, y a trop. L-A-Y-J. Ah non. Si, bah si. B. F. Non, j'ai rien dit. Je suis une folle. Je donne ma date de naissance. Il peut pas reconnaître que je suis déjà sur Amazon. C'est mon compte créé. Merci. Nom d'utilisateur. Log. Continuer. Confirmer. Ok. Ouais. C'est bon, j'ai un skin pour ça. Pour cette petite merde là. Excusez-moi à ceux qui m'attendent, qui attendent que je fasse des trucs utiles. C'est dans quoi déjà? Dans... Métamorphose? J'aurais peut-être pas maintenant. NC Soft, c'était Gat City of Heroes, qui était un chouette MMO. D'accord, je connais pas du tout. Donc action ou classique, ouais. Je vais aller avec chaque action. Moi en tout cas, ça m'intéresse plus comme gameplay. Mais si toi t'as l'habitude de MMO, vous êtes où à l'ancienne, je sais pas, de FF14 ou de WoW, tu seras peut-être... voilà, tu préféreras peut-être avoir le gameplay à l'ancienne, t'as eu. Ok, Kato, il est là. Eh ben, il faut que j'aille, moi... faut que j'aille parler à Grace, la prêtresse. Qui est là. May I, do you need help with something? Récupérer les biens perdus. May divine light. Ah, c'est quand on meurt. Ok. Eh ben, j'ai pas besoin. Pas mort. I see. Please wait a moment. I sense no ill intentions from you. Rencontre Martinet. However, she is currently in danger. Martinet. Under the protection of the people of this village. Je suis le protocole. Pour la rencontrer, il faudra le mot de passe. Ask the Sunrise merchant for the first half of the phrase. The password. And the skills researcher for the second half. Et demande au marchand des fournitures. Il faudra la première moitié. Attends, de quoi? You will receive the answers you need. Demandez au marchand de fournitures, il vous donnera la première moitié et le spécialiste des compétences la seconde. Dites-leur que vous cherchez une fleur rouge, ils vous aideront. Oui, non mais si tu me donnes tout le tuto, est-ce que la démarche a bien du sens finalement? Si c'est un secret pour personne. Et si même les vendeurs ils connaissent le mot de passe? Je sais pas, hein. Cherche une fleur rouge. Et Jean-Louis s'intéresse beaucoup à Martinet.
Quelle est la première moitié du mot de passe? Lumière. Fragment de lumière. Ok. Tu vends quoi sinon? Sélectionnez les articles dans la liste de gauche pour les mettre dans votre panier. Vous pouvez également mettre plusieurs articles à la fois dans votre panier. Oui, c'est bon, je vends. No 2024, tu connais le principe d'une boutique en ligne. Mais enfin, ce que je veux savoir, c'est à quoi tout sert. Feuille de l'arbre monde. Ressources insuffisantes. Non, j'ai du ça là. Du Lucène. Ah, tu es dans la boutique spéciale. Attendez. Boutique spéciale. Ah, mais je peux acheter du coup des trucs comme ça alors. Ah ouais, j'ai ce qu'il faut. Je peux avoir ça. Je peux avoir un fersure amarante. Ou un diatrima à canne. Ou de la teinture. Et du fût. Qui la coûte? Pack hors la loi silencieux. Pack d'accès anticipé, tu vois? Voir la page. Ah! Il dit que je suis en 2024, c'est pas vrai! Il veut pas, 80. Oui, bon, j'ai pas du tout mis la bonne date, on s'en fout. Ah, après, faut acheter les packs sur Steam. Okay. Bah non, on m'en fout. Tous les serveurs nord-américains sont vides. Et ben. Et ben, au moins, tu as pu te connecter vite. Donc, lui, je lui ai parlé. Et l'autre perso, c'est là-bas. Et ben, c'est qui part. Oh mince, mais j'avais changé, j'avais pris le loup. Pourquoi je suis pas le loup? Ça was close. I can't believe the ghastly tales were true. De toute façon, à tous les coups, après la bêta, tout va reset, non? Cache une fleur rouge. Deuxième moitié du mot de passe est murmure. C'est quoi la première? C'était fragment de lumière murmure. Hein? Et toi, tu fais quoi, toi? Compétence de fabrication. Très bien. Et ben on peut aller voir la prêtresse de nouveau. Je peux pas avoir l'aigle. J'ai plus. Ah, on a fait la même erreur. Fragment de lumière murmure. La masse sombre hurle. Je tente ça. Pas de réponse. Mot de passe suivant. C'est vraiment un choix qui ne sert à rien du tout. Hein. Bonjour Martinet. J'ai jamais vu tête avant. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens me faire soigner. La meuf qui va chez le psy, quoi. Je veux dire, au village, je ne soigne personne en ce moment, sauf en cas d'urgence. Ouais, vous revenir plus tard. Mais j'ai besoin d'être soigné maintenant. Je vais vous expliquer. Oh, I see. Clay probably sent you to help with my research. The truth is, ma sœur souffre du même symptôme que vous. Je cherche à moi de la guérir. C'est comme mon symptôme à moi, c'est que je suis trop forte. C'est ça, c'est pour un faible trop fort. Potion d'affaissement du mana. Ah, c'est que le mana trop puissant pourrait me tuer. Oh, drat. I just used my last batch of ingredients. Oui. Je réponds de quoi? Eh ben, je vais chercher les ingrédients. Je vais vous dire où aller, où j'ai besoin et de quoi j'ai besoin. Allez à l'herboristerie en Brie. Comme mes yeux. Apportez-moi de la poudre rance. Ah. Ah. You know how to use waypoints, la poudre rance, quoi. Hein, vous, les experts en homéopathie, vous êtes tous les mêmes. Hein. Vous aimez trop les trucs dégueux en poudre. Ah oui, c'est ça, je me sens pas bien. Comme par hasard, des quêtes FedEx. Castleton Infirmary has been closed for some time. Sa sœur est dégène. Legion is looking for Martinet. It was to trick them into thinking that Martinet, who had worked as a healer there,
had left. Attends, vous pouvez appliquer les stats de personnage quand vous gagnez un niveau. J'ai gagné un niveau là ? Mais chut ! La dame là ! Personnage. Oh, j'ai un point de stat à mettre. Force, dexté, sagesse, perception. Je vais mettre en force pour le moment parce que je suis un peu tanky. En force. Toutes les stats augmentent les dégâts, ouais. Ou en dexté, ouais. Non, je mets en force. Pas de tous. Ok. Et ben, écoute, Kato, si t'es chaud, allons faire ça. Ah, faut que je parle à elle. Mais il lui faut pas de la poudre rose. Quelque chose d'autre qui a suscité ma curiosité. J'aimerais savoir plus sur les points de passage. Oh, c'est les points de TP, quoi. Élaborer les points de passage. Ok. Posez votre main sur le point de passage de la place et celui des champs de seigle ombré. Ensuite, parlez à l'officier de la résistance Ashton, il vous expliquera le reste. On va peut-être débloquer les TP d'abord. Ça me semble plus malin. Ah mince, je suis partie. Lord Hobbs of Lastman resisted Revolupius, who had usurped the. Tu voulais vocal? Bah en fait, c'est que j'ose plus. J'ai l'impression que ça fait tout laguer mon PC. J'ai tout fermé Discord et tout. However, Lastman was freed again by the Founder's order, led by Captain Da Vinci. J'avais dit mardi, tu streamais pas aujourd'hui. Effectivement, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses. Mais oui, ce serait bien de vocal. Effectivement. Ouais. Ah non, bah ça c'est bon alors. Oh, je comprends rien. Je vais voir si... Je vais juste te lancer déjà Didi et voir si c'est tout buggé ou pas. Est-ce qu'on me dit que tu es online? Bah là, je viens de le lancer. Ah mais du coup ça avait juste fermé la fenêtre mais pas le petit truc. Bah oui, c'était tout laggy. Il était en arrière-plan en fait. Yo. J'ai un point à aller là-bas. C'était ça qu'elle nous a demandé elle. Déplacement ininterrompu, vous permet de vous déplacer. En direction... de quoi? C'est quelle touche? C'est point d'exclamation? Ah oui! Trop bien! À 3h du matin, tu perds tes mots. Ah non, non! Je dis juste plein de choses. Mais au final, je change souvent d'avis. Ah oui voilà, ça c'est la quête qu'elle nous a donnée elle. This was once the most prosperous granary in Lastland. On sait Glambray. Oh mais on a ça à chaque fois du coup, ça nous donne le lore de la zone. Infestation de parasites géants. People tried to solve the problem by employing the power of free wizards, but the free wizards' clumsy magic only made things worse. The Einar Priestess Grace introduced Waypoint, okay. The great integration of Vanilux. Teleportation is a rare skill. Merci Verco pour la gestation de sub. Merci beaucoup pour les 9 mois. Mais tais-toi, toi, elle parle trop. Bon courage, papa de douce. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Lux TV Draco. Ok. L'officier de la résistance, il est où? Il doit être à côté. Donc on fait sa vitesse et puis après, bah ouais. Go se call. Hein.
Je peux pas rentrer dans le jeu tout de suite. Ouais, moi ça a pas mal bugué aussi, mais tiens. Tu me disais que t'étais bien ambitieux. Ah mais non, apprenti herboriste, c'est pas... Moi je comprends, hein. Ouais. Ouais, mettre en favori les codex d'exploration disponibles. Non mais... Ah ouais? Pourquoi faire? Do you need something? Il faut de la poudre rance. Mais moi je sais en faire. Ok, ben fais-en. Les gouttes elles coulent sur mon écran ou sur lui? Ah, ça a l'air d'être un peu sur lui. Non, c'est... non je sais pas. Je n'ai pas encore reçu l'approbation de mon maître, je peux néanmoins vous donner la liste des ingrédients nécessaires, vous n'aurez qu'à les rassembler et y aller. Récolteuse violette, guêpe, scarabée, plantation de mandragore. Ok. Bon, on va voir tout qu'indiqué. Let's go. Bonne découverte, merci Dimitine. Merci Martian. Ok. Oliver has been an apprentice there for some time, though he has yet to gain the approval of his master. The farmers pitied the outstanding apprentice, a gifted student who could memorize the names of countless medicinal herbs, but suffered under his eccentric master. J'essaie de lui faire se taire. Voilà, c'est ça m'agace. Ce qui s'est pas. Ça me fait complètement bugger. Si tu veux, je me mets sur un salon. Et si tu peux pas y accéder, Kato. Mais je pense que tu peux, mais des fois je m'embrouille dans les droits. Et ben. Ben non, t'es là, c'est bon. Allô? Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je te mets. Je t'avais vu, mais tu peux dire les deux temps, parce que c'est la première. Par exemple, moi j'ai pris le bâton et puis la baguette. Et en fait, si tu utilises le skill de la deuxième arme, il switch, il fait le skill et il reprend sa première arme. Ah, d'accord, faut que je teste ça, moi. D'accord. Ok, bah merci pour l'info. Attends, j'avais rebind? J'avais rebind. Ça marche pas, ça? C'est pas le truc pour foncer normalement, eux? Ah si, voilà. Alors il nous faut des trucs de guêpe, c'est ça? Son dieu est un peu fort. Hop là, bah c'est surtout que... hop là... Je dois jongler tout le temps... avec Discord, selon les gens. Hop! Voilà. Je pense que là, c'est à peu près bon. Ah oui, les ruches! Ça fait sortir une guêpe. Ouais, tu l'as dépassé, moi. Oui, je l'ai poussé. J'ai défaussé. Attends, ça mais j'arrive pas à voir ce qu'il nous faut. Ah si, voilà, j'ai eu les deux dards. C'est que j'ai trop de quêtes à droite. Et maintenant, il me faut cœur décomposé. Cible récolteuse défaillante. Ok, donc si je fais ça... Ah bah ça a pas marché. C'est pas grave, je fais ça alors. Derrière j'ai un scarabée. Je sais pas si ça a été le temps pour moi. En fait, faut que déjà que j'apprenne à te repérer. Voilà. Tu es là. je sais pas les loots. Tiens, on va tester avec ça. Pas de doute. Peut-être celui qui l'achève alors. Ouais, mais quand on est dans le même groupe, ça devrait. Bah ouais, normalement. Surtout que pour un item de quête. Ah, une autre fois. Qui ça? Oh, moi. Bah moi, il vient de changer. Bah moi aussi. Moi, je vois un Kato. Ah, mais non, mais je vois autre chose, ok. Alors. Ok, si je fais ça. Et si je fais ça. Oh, je l'ai éclaté. Ah oui, c'est clic gauche. Et du coup, clic gauche, ça tape pas. Ah si, ça tape. Ça y est. Mon cœur est au sol. Comment ça? Ah mais c'est bon, j'ai trouvé. Eh oui, t'as raison. Faut les looter, en fait. Merci. Et oui, on les voit hyper mal. Oh, mais y'a l'autre qui me raconte sa life. Pourquoi elle saoule, elle? Transmutation, on peut en changer d'apparence. Oui, d'accord, merci.
which has a tonic effect. Jamais dire de stérile. Je pense qu'on a tout. Ouais. Mais du coup, je vois un point là-bas. Je vais prendre notre mystérieuse. Pourtant, c'est juste des collectables. Ouais. Mais après, là, je crois que ça m'a donné un objet. Oui, bah, j'y sais. Ah, ça m'a rien donné. Le rose, on le voit bien, ouais. Les loots, ils ont pas de lueur, eux. Je pense que c'est pour ça qu'on galère. Puis en plus, la pimone qui me suit, bah, des fois, j'ai souvent l'impression que c'est un loot qui vient à moi, et en fait, non. Alors. Mélange un peu Paimon et Sackboy, quoi. Ah oui, c'est ça. Cliquez pour récupérer les récompenses. Comment? Mais cliquez où? Sur ma quête? C'est pas très clair. Je vais déjà aller au point. Dans le truc de collection, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Il disait que j'avais une transmutation. Je vais apprendre après. Oh. Et lui, c'était quoi? La plantation Mandragore. Ah oui, c'est vrai, il avait besoin d'une Mandragore. Si vous allez ramasser vous-même. Côté les racines des Mandragores dans le champ, par contre, les Mandragores deviennent violentes quand on s'attaque à leurs racines. Ok. Attends, je regarde dans... Enfin, vas-y, je regarde dans Transmutation ou dans Métamorphose, là. Ah, j'ai pas fait ma job, tu veux la faire, ma place? Ouais. C'est littéralement son taf, quoi. Et du coup... Bah, j'ai pris une transmutation, mais je sais pas pourquoi. D'accord. Et après, ils veulent te taper. Ah. Ok, j'ai eu le loot. Non mais oui, faut juste bien ramasser le loot, mais je pense qu'ils sont partagés. Ah bah tiens, le tien. Ah non, j'ai rien dit. Faut qu'on ait tapé tous les deux sur le monstre pour qu'il tape le loot. Donc si y en a un qui a pas tapé, le loot il drop pas. Ouais, c'est ça. Moi je les ai eu les deux. Ou les trois, je sais plus. Bon, si, j'en ai deux là, il m'en manque un. Et bah bon, go. Tu les as tous, toi? Moi j'ai eu tout, ouais. Ah, donc je vais faire le dernier. J'ai pas eu le temps de ça. Ah, mais il l'a déjà droppé. Voilà. C'est bon? Ouais. Et bon, go. Enfin, là, il y a un point de passage. Ah, il y a un point de passage? Oui, de l'autre côté, devant le violet en fait. Enfin, le rose plutôt, le violet c'est une annexe. Oh! Ah oh ouais, là je comprends pas. Hein. Ah oui, tout à droite, c'est ça? Enfin, tout à droite. Notre droite. La quête principale, c'est le point de passage, et tout à droite, c'est un truc annexe. Je dois faire le truc annexe. Ah, cette quête là, c'est pas la quête encore de la mandragore. Mince. Bah, si, je pense que c'est la suite de la mandragore que vous envoyez au fond là-bas. Tu penses? Si c'est. Et l'autre il disait que c'était une annexe, donc je suppose que c'est un truc facultatif, je sais pas. Bonne nianté, des bisous. T'as aussi des quêtes bleues dans les zones. Bonne nianté. Ok, bon bah on va voir. Oui voilà. Là du coup on découvre un point de passage. C'était ça qu'il fallait faire pour la quête de l'autre là. While you search for treasures hidden in ships wrecked by storms and chests that have been drifting, you will encounter the masters of the coastline. From a distance, they look like normal crustaceans, but when you get up close, you'll find they pose a greater threat than you anticipated. Ah, on voit la baleine là-bas. Elle est trop cool, cette île baleine volante là. Est-ce que si je lève la tête, je la revois? Ah ouais, elle est là-bas. Si on ira de soin, non. Ouais. Moi, je pense. Il y a un truc à faire ici. Ah. Ah bah l'herboriste.
Ouais, je lui parle, je vois. Vous pouvez combiner ces ingrédients. Ah, c'est votre apprenti qui me l'a dit. Les herboristes doivent parfois se rendre dans un endroit dangereux. Oui, bon. Je prépare la poudre en rance. Téléportez-vous à Castelbourg. Ok. J'y allais aussi, ça marche, Tiffy, des bisous. Il a toujours apprécié à son apprenti et collecté des herbes seul. He had to venture to all sorts of dangerous areas to get medicinal herbs. But his pupil was a coward, who would flee at the sight of an ant. Téléportez-vous, tu sais, t'as vu comment faire? Ah, ouais. En utilisant le point de passage. C'est donc, lequel? C'est l'espèce de pierre qui nous sort du TP. Ah, c'est ça, oui, je la trouvais plus. Oh, mais là, il me dit d'explorer la côte, il va me refaire la cinématique ou il va me laisser le TP. Attends, si je fais accepter. Non. Ah oui, fait la cinématique. Bon. Et si en restant là et on appuie sur la map. Castel machin. Attends, l'infirmerie. Alors oui. Ah, le point de passage. Déplacer. Ouais, tu te mets sur la map. Bonne nuit, Didi Bern, merci pour ce stream inopiné. Ouais, bon, il va pas durer très très longtemps, hein. C'était pour tester le jeu. Parce que je voulais le découvrir ce soir. Faut bien sélectionner la... Ah mais, tu l'as pris là, tu l'as pris ? Allez, tu l'as peut-être pas pris avant de partir, je sais pas. Et bah tu... Moi je me suis mise bien dans la zone de la pierre, je l'ai sélectionné, mais j'ai sélectionné la pierre, pas la ville. Il faut bien trouver la pierre sur la map. Et du coup j'avais pas vu. Oui, je vais même pas pouvoir me connecter régulièrement, soyez sage. Tu pars en vacances, trop bien. Et ben bon départ, ah peut-être. Bonnes vacances de gros bijoux du Burl. Quand tu cliques dessus, ça t'ouvre pas un truc sur la droite. Ça m'a ouvert une petite fenêtre qui m'a demandé, qui m'a dit le prix de la téléportation, il y avait écrit gratuit. Des bisous à toutes celles et ceux qui vont dodo. Du coup, je vois bien que c'est le moment où ça va se coucher. Ah, c'est parce que... Ok, d'accord, non, c'est bon, je suis con. Faut bien sélectionner la pierre. En fait, au lieu de cliquer sur la pierre, je cliquais, tu cliquais sur la quête. Le point rose, ouais. Ouais, pareil, ouais. Donc je comprenais pas. You're back. Oui, je suis back. Tiens. The rancid powder you brought is excellent in quality. Très bonnes vacances, Didi Puel. J'espère que ce sera cool et que t'auras beau temps surtout. Enfin non, que ce sera cool surtout et que t'auras beau temps aussi, voilà. C'est bon, je lui ai donné. Oh mince, j'y étais. Mince, je crois qu'il fallait pas que je parte. Ah, mon lumière de murmure. Ouais, je crois qu'il fallait que... Oui. J'ai pas attendu. Pas du tout. Pas le taille. Oui, il va de dos, il part en vacances. Oh, nice. All right. Attends. Here you are. Voilà. Why don't you try it? Merci pour la popo. Ouais, un côté The Witcher sur plusieurs aspects, ouais. Ah, j'avais pas pensé à la transition, c'est vrai qu'elle est smooth du coup. J'aime bien. Retourne à l'infirmerie. On continue l'aventure. Quoi ? Bah non, j'en viens. Fallait que je lui parle. Putain, faut que j'arrête. Ah, j'en ai marre. On va y arriver, hein. Je promis, j'enchaîne. Allez. Just as I thought, it's much more effective. Je tentais de l'améliorer, mais je pensais pas obtenir un tel résultat. J'ai apporté plus vite à ma sœur. Laissez-moi vous aider à mon tour. Remettez-la à l'ami de ma sœur, Minapi. Est-ce que je peux sortir? C'est bon, c'est fini, c'est bon, quittez. Allez.
Non mais bon, moi la pharmacie, j'y reste pas 15 jours quoi. The effect of the mana calming potion that Martinet made was incredible. After you drank the potion, par où you could feel par là-bas magic je crois, hein. To settle down. Oh, yeah, je vois 1000 mètres. Martinet, who had been on peut peut-être se TP. Ouais. Je regarde. So long, finally succeeded in creating a potion more effective ouais, than c'est ça, c'est cet endroit-là. Bah go. Ouais, de là où on est parti tantôt. Comment tu la vois la pierre là, là autant dans la vie je la voyais bien. Ah c'est celle qui est plus haute. Ouais. Ouais. Let's go. Oh les TP sont stylés. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure, je regardais le chat. Ah bah go, moi j'y vais, j'y vais. Et du coup l'oiseau, il faut forcément être en hauteur je crois. Non ça marche pas. C'est quoi c'est un éco-freeze de... espace qu'on avait fait quand on faisait dans le kit, mais là ça a peur de le faire. Est-ce ouais. Que c'est faut... Peut-être, alors peut-être qu'il faut vraiment se... Genre tu peux que... pas vraiment t'envoler mais plus planer. C'est plus... ouais attends, c'est plus un... C'est vrai. Ah, il y avait rien. Oui c'est un coffre, je me suis dit ah bah tiens on va lui péter la gueule, ça va nous donner un truc. Vas-y, zéro chargement. Il y a des chargements mais déguisés. Effectivement. Et bah ils sont rapides hein. Après on va voir dans des zones un peu plus grandes et tout. Je démonte là. Tiens regarde, t'as vu je fais ça. Et bim je fais ça. Ouais j'esquive. Ah oui faut que je prenne, faudra que je fasse comme toi. Mais je vais voir un petit peu demain hors live un petit peu comment le je peux me faire un build qui me convient. C'est bien d'avoir pris la baguette, je vais faire comme toi je pense. T'as pris baguette et quoi j'ai d'autre raté, j'ai essayé de... baguette et canne. Oula, baguette et canne. Et puis, ah oui, t'as essayé de me soigner, ça a pas marché. Peut-être que j'ai ouais, bougé j'ai trop vite. Ça... Tiens, vas-y, si tu veux tester des trucs. Tant que j'ai un peu de vie en moins, au moins on verrait ouais. Si on verrait. Mais peut-être que hors combat, tu peux pas. Mais déjà, j'avais pas de sélection. Ah oui, je peux cliquer dans là. Ouais. Si je fais 7 là. Ah, oui, ça a marché. J'étais heal. Tout à fait. Si tu fais la zone. Je sais pas ce qu'elle fait la zone. Ouais, je regarde. Ça a pas l'air de heal. Ça m'a pas heal. Bon, il me manquait pas beaucoup de vie, mais elle a pas remonté. C'est peut-être du buff. Sinon. Faudrait voir. Là, j'ai un truc de. Ah, ça fait des. Vitesse des, d'attaque. Un debuff sur les ennemis, ceux-là. Ah, c'est un debuff sur les ennemis, ok. Oui, ça a marché. C'est pas là pour ça. Non, ça a l'air assez soft, mais t'es au level bébé encore. Oh, y'a un doko. Je peux pas sélectionner pour le caresser. Uh-huh. Salut Mina. Ça dégoûte. Si vous apportez une potion apaisante, c'est que Martinet vous envoie tout à fait. Oui, Adriana. La potion n'est pas assez puissante. Ok. Peut-être des indices dans le phare. Ah, bon, on doit être juste en dessous. Ouais, j'ai développé. To avoid the Archean Legion, who had discovered her hideout. She said that no matter how effective her potions were, they never lasted long enough. Adriana set out to find a way to completely soothe the tempestuous mind. Pierre de lune gigantesque. Ah ok d'accord, t'étais déjà dessus en fait, c'est peut-être pas ça. T'as eu un loot ou pas? J'ai pas l'impression. Ah ouais d'accord. Et ben oui ça doit être des compos qui nous sont propres. Ah oui faut faire... Ah, bim. Ah oui j'ai oublié ça. Avec F. Derrière la porte. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un méchant ça. On arrive un peu tard.
Someone must have taken Adriana away. You have a star fragment just like that girl. I won't be going home empty-handed after all. Mais toi, je t'ai mute. Tu devrais même pas parler dans les cinématiques. J'ai des PTSD, là. Voilà. En plus, t'es morte. Super, la poupée de merde. Elle a une tête de méchante. Je trouvais un petit peu aussi, tu vois. Je me suis dit non, c'est peut-être encore contrôle faciès, tout ça. Mais j'avoue que le masque et les yeux rouges et le fait qu'elle essaye de me tuer, ça m'a donné un petit indice. Je remets ma carte. Ah! Ah mais je me bats seul. Ah, ah oui, c'est instancié. Ah oui, on est tout seul. C'est vu que c'est dans Scénarium, je pense, pour ça. Ah là là. Oh ! Ah là là ! Et c'est dur un peu. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait ça. Oh, je vais mourir. Je m'enfuis tellement du combat pour me heal parce que je sais pas comment me heal. Oh, il y a un coffre, je prends le coffre. Mince. Attendez, comment on se heal? Est-ce que non, j'ai une popo au moins? Oh la Gilo! Merci Gilo pour le raid! Testa MMO! Elle était sur Once Human, je suis en train de me dire je vais arrêter pas trop tard et je pourrais la raid. Tu es Nenny? J'ai trop cru moi. Merci Gilo! Moi je me bats intensément. Oh, je l'ai tué! Tu l'as tué? Ouais. Ah, on peut même pas ouvrir le coffre. Quoi? Le coffre en haut, il n'a pas voulu l'ouvrir. Oh, ça dégoûte. Examiner le rapport de recherche. Bon, oui, il faut peut-être faire la quête d'abord. Peut-être parce qu'ils savent que sinon on va se barrer sans avoir rien fait. Je suis fatiguée. Bon, va te reposer, petit Gino. Merci beaucoup. Et si tu vas en lurk, dodo, je comprends tout à fait. N'hésitez pas à passer voir Gilo, avec Vinou, elle fait beaucoup de One Human en ce moment. Je sais qu'il intéressait pas mal de gens le jeu. Et elle y joue depuis la bêta. Donc elle connaît pas mal de choses sur le jeu. Oh bon, je passe le lore, hein. Tu m'en voudrais pas, hein. Journal défraîchi. Bonne nuit, Gilo, si tu vas dodo. Des gros bisous, merci beaucoup. Ah là, c'est bon, je peux ouvrir le coffre, moi. Ouais, and a diary she had left behind. There, c'est encore un scénario. Non, en fait, non, je peux pas encore. Bon, allez, le livre. Livre est moins poussiéreux, il a dû être utilisé récemment. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, on peut examiner le bouquin. Pivoter. Bah, peut-être, ouais. Je sais pas. Là, faut maintenir le fil. Ah oui. Oh oui. Et là, il y a une clé. Ok, c'est rigolo. Ok, je l'examine énormément. Du coup, je fais quoi maintenant? Ouais, ah bah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ça a marché. C'est un génite. Étudier le parchemin. Mais qui est Janice Carter au juste? Elle a tout de suite reconnu mon pouvoir et a compris que... tant que j'en étais porteuse, la Légion d'Archéum continuera à me poursuivre. Elle m'a conseillé de fuir au plus vite et de trouver un moyen de contrôler ce pouvoir si je veux un jour pouvoir ne plus avoir à craindre Archéum. C'est difficile de lire en entendant l'autre qui me parle en même temps. Enfin, qui parle en anglais, quoi. Recognizing the strength of... Oh mince, il y avait un loot dans le coffre. En plus, je crois. Merde. Je sais pas. J'ai cru voir une interaction sur le coffre. Bon, on va voir. Peut-être après la cinématique. Les cinématiques sont cool pour le moment, en tout cas, j'aime bien. Hein. Là, ce style, on n'avait pas eu d'ailleurs. Archeum forces captured Martinet, the younger of two twin sisters. Je pensais à Shaman Adrien, la porteuse d'un fragment d'étoile, à appeler la pluie. Oh non! Non! Parce que là, c'est des connards et je joue pas avec eux! Merci, Vinou! Merci beaucoup, petit Vinou, pour le raid! Merci, merci! Gilo, elle est déjà partie dodo, je crois. Qui était sur One Human aussi.
Comme je vous disais, c'est comme ça que j'ai pas shoot-outé. Hop là. Adriana was shocked to witness what she had done. Fatigué mi-tout. Ah, vous êtes sur un autre MMO finalement. Ah, j'ai pas vu pourquoi elle s'est énervée. Force naturelle des fragments d'étoiles qui sommeillent en Adriana se libéra. Parce qu'elle est... elle a été forcée de faire un truc, c'est ça? Oh merde, j'ai pas suivi. In the aftermath. Adriana was beset by unspeakable disfigurations. Une terrible difformité. Swallowed by guilt. On est accro, ouais, je vois ça. C'est cool. Attendez, j'ai pas tout compris par contre. Celle d'autres informations utiles. Mieux vaut ne pas y toucher. J'ai pas compris pourquoi elle s'est énervée, Adriana. Bah, apparemment ils ont capturé, tu sais, l'infirmière qui nous a donné la potion. Ouais, sa sœur. La sœur à faire des trucs et ils ont forcé la sœur. Apparemment ils ont attaqué des gens et puis comme ils menaçaient la sœur, elle a fini par s'énerver, ça l'a transformée. Ah, ils ont menacé sa sœur. Ok, je comprends. Merci. Vous regardez le chat. Ouais, mais moi aussi. Aussi, moi aussi. Ah bah attends, on peut peut-être sauter là. Je tente. Ouais, c'est ça. Faut sortir d'un point en hauteur. Recule. Ah oui, après on peut plus s'envoler parce qu'on a plus tendu. Ah, il y a la baleine. Ouais, c'est plus une paravoile où on a quand même un peu le pouvoir de s'envoler que un vrai piaf en vrai. Faut admettre. Oh, la loutre! Attends, c'est vrai qu'on peut... Attends, je vais attendre que mon enduro monte. Et je vais regarder ce que c'est que ça. Voilà. Et je vais voir ce que ça fait de nager. Oh, on a une toute petite loutre adorable. C'est cool d'avoir une transformation aquatique. C'est sympa. Ça, on peut vraiment... On a triple monture. Oui. Ouais, c'est ça. Et après, tu personnalises ton truc, quoi. Tiens, je vais tuer un homard l'ermite. J'ai tué un homard l'ermite. J'ai eu du sel. J'ai mal regardé, en plus. Ouais. Complètement, le homard l'ermite, ils sont un sup. Je file des bisous, Vinou, merci beaucoup pour les raids à vous deux. Et comme je disais, n'hésitez pas à passer les voir si vous voulez voir du One Two Man. Eux, ils s'y connaissent. J'aide un joueur. Ah, je peux pas. Si, je peux. Ah, je crois que j'ai... Ah. Mais attends, je crois que j'ai looté des sous en le tuant le coffre. Attends, on va retenter. Ouais, j'ai eu 11 de thunes, moi. 11 pièces. Ouais, ok. En fait, oui, c'est un coffre, donc il donne des pièces, quoi. C'est marrant. Cette baleine, là, elle m'intrigue tellement. On va tellement avoir une mission dessus. Ah, y a une mini... Y a une mission des lames. Ah ouais? Il est sorti par la vie, celui-là. On a une demi-heure pour vaincre 50 araignées sanguines dans la forêt de je sais pas quoi. Ah, on peut, on peut. Ah oui, d'accord. C'est les lames de notre guilde. Mais on... Ah oui, d'accord. Faudrait voir où c'est. Merci beaucoup pour le follow. Identifiant. Identifiant. On va à la quête, hein, déjà. Mais la baleine à gauche. Oui. Qu'elle descend un peu plus bas, un peu. Bah ouais, soit ça, soit il y aura un TP, soit une quête qui nous y emmènera, tu sais. Parce qu'elle est aussi des fois sur l'eau. Enfin, je sais pas, en fait. On l'a vu sortir de l'eau dans une cinématique. Coucou.
Coucou, c'est qui? C'est Zoazou. Coucou, Zoazou. Mince, je vais vers la mauvaise. Ah, quoique, on est pas si loin. C'est quoi? Ouais, c'est vrai qu'on est plus proche là tout de suite. Ouais. C'était quoi? Bah ouais, je... C'est lui? Ah, comment ils ont les points de passage? Ah, mais c'est toujours par rapport aux points de passage. C'est vrai qu'elle nous avait demandé de lui parler. Ah bah voilà, comme ça, on l'a fini. Ça nous dit juste qu'on peut utiliser ça, quoi. Coucou, j'ai crash pendant le raid. Ah zut! Ah, ce soir, les crashs, on a eu quelques-uns. Mais surtout dans le jeu. Eh ben, c'est sympa de venir et de follow malgré le crash. C'est très mignon. Je lui ai parti, oui, elle a mis qu'elle était trop fatiguée, elle a envoyé un petit cœur et puis elle est partie dormir. En même temps, elle enchaîne là en ce moment. Elle est vinou. Ouais. Bah ouais, surtout que là, depuis plusieurs jours, il y a eu vraiment des jours sur One Human à 10-12 heures, quoi. Mais bon, je sais que quand elle est à fond dans un jeu, elle compte pas du tout les heures. Moi, je vais avoir toujours un petit rappel à la réalité à un moment. Mais elle se transforme en cyborg. Je suis pas ouf mon raccourci. Oh, ça part. Ça. Oh, toi t'as mis. Hop là. Assassin's Creed. J'ai perdu mes Discord et compte Twitch. Ah bah, ton Twitch, non, ça a l'air de... Enfin, t'as ton identifiant, donc ça a l'air d'être bon. Où est Martinet? Ah, lettre de Martinet. Grâce à vous, j'ai pu avoir des nouvelles de ma sœur avant qu'il ne soit trop tard, merci. Maintenant que sa cachette est exposée, les hommes de Zaros trouveront tôt ou tard cette clinique. Les villageois seront en grand danger. J'ai donc décidé de partir avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais aimé développer un vrai remède pour vous. Je suis désolée. Votre mana est trop puissante pour que ma potion apaisante ne la contienne entièrement. Le contienne. Oui, c'est un mana. Mais ça vous empêchera de perdre totalement le contrôle pour le moment. Je vais me consacrer à l'élaboration d'un traitement efficace à long terme. À notre prochaine rencontre, je pourrai vous guérir définitivement. D'ici là, prenez soin de vous et faites attention. N'oubliez pas que Zaros et la Légion d'Archéum pourraient être à votre trousse. Eh ben, d'accord. Prenez soin de vous. Bah oui, mais prenez soin de moi. Bah super, vous prenez soin de moi, ouais. C'est vous qui deviez me faire un remède, là. Rappelez que de la chaîne de Jill et la tienne. Ah, t'as perdu tes comptes récemment, ok. Ah oui, chiant ça. Salut, pote au casque. De quoi qui quelqu'un m'a demandé de l'aide, j'ai pas vu qui c'était. On a combien? On a 2 heures de VOD, je vais couper. Je vais quoi couper la VOD ici vite fait? Parce que ça fait déjà 2 heures. C'était la petite intro. Des bisous la VOD. Voilà, c'était Throne of Liberty.